Hello everyone! Allô, bonjour! Welcome to the kitchen of Korean Culture Center in Brussels. We are together with a very special event, like last week. We're going to be enjoying a culinary workshop together. The thing is, actually, we are doing a very special event because we have Zoom participants who are going to be doing the recipe of today with Madame Che, and we are also streaming on Face Live as well. So we are going to be doing two things together, and that's going to be too much fun, just like last week. I would like to start by presenting Madame Che, who is going to show you how to make voilà, kimchi. Yes. Allô, bonjour. Je m'appelle Yoon Jung Che et je suis coréenne. Je travaille en Belgique en tant que chef, principalement avec la cuisine coréenne. J'ai un atelier qui s'appelle Choi Rijin, ça plus tard. Si vous voulez savoir, je vais expliquer. Et aujourd'hui, je suis venue pour pour vous guider comment on fait le kimchi très bon. Okay. Voilà. Well, as you can understand, Madame Che is French speaking and I will be speaking in English for our Face Live audience. For our Zoom participants, unfortunately for technical reasons, we are going to keep them in Zoom, but they can shoot and send their questions or comments by writing in the comment section. I will be keeping my eye on the screen for Zoom and for Face Live as well. Why don't we just say hello to our Zoom participants first? Hello everyone, can we see your hands? Woo! Hello. Perfect! You look amazing in that screen. I mean, it's going to be too much fun together. And don't worry, for those of you who only speak English, I will be trying to translate whatever Madame Che says into English. But don't be shy. Just send your questions, send your comments, and I will try to pass those to Madame Che as soon as I can. So, shall we start? Voilà. Aujourd'hui, donc c'est la session pour faire le kimchi. Et on entend maintenant beaucoup, si on parle en termes culinaires, on entend un peu partout kimchi. Mais bon, tout d'abord, avant de commencer, je vais d'abord poser question à Aline. Mm-hmm. Et sans doute, tu es amateur de la cuisine coréenne. Tu connais bien kimchi ou comment tu as déjà fait? J'aime kimchi. En fait, il y a un restaurant coréen ici à Bruxelles. Oui, oui. Et je vais là-bas souvent. Donc, et j'aime manger kimchi. Donc, elle connaît bien le kimchi. Et pour les participants au Zoom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà bien kimchi? Raise your hands. Perfect. Oui. Ah oui. Et vous avez déjà essayé de faire kimchi vous-même? Oui? Wow. Ah, perfect. There's so many participants who said yes. Amazing. Il y a déjà la moitié qui sait bien, je pense, kimchi. Bon, aujourd'hui donc, on va un peu parler sur kimchi et qu'on va faire ensemble kimchi. On va tout fouiller un peu comment qu'on fait en général. Ça va? Yes. And today we're going to make kimchi. Our Zoom participants, mostly they know, and some of them actually tried making kimchi, which is great. I'm sure most of you have tried kimchi at a Korean restaurant, or maybe you have visited a supermarket which is specialized in Korean products as well. I myself love kimchi, but I've never tried at home, so this will be a great opportunity for me as well. So, Madame Che is going to give you some historical and culinary information about kimchi, and then we're going to talk about the ingredients, voilà. And then on we will start making our kimchi. Seulement, on dit que nous, on a tout lavé les mains, on a tout désinfecté les mains, et ici aussi, donc on va garder la distance au cas où, hein, on a tout passé le test, mais voilà, c'est justement, on prévient les informations de Corona. Exactly. Ouais. Just to remind you that we try to take COVID measurements seriously, and we're trying to keep a distance between us. And we, of course, use our gels, and everything has been disinfected. So don't worry about it. And you will be enjoying your session with Madame Che now. Ouais. Voilà. Donc, d'abord, il faut expliquer kimchi très brièvement. C'est quoi le kimchi? C'est une préparation coréenne transmise de génération en génération. C'est tout simplement dire que ce sont des légumes fermentés.
Je vais traduire. Tu as traduit ou je vais continuer? Je peux. Ok, je peux. Ouais. Well, kimchi is a recipe that had been passed on from family to family, and it's actually fermented vegetables. Yeah. Et c'est kimchi. On entend beaucoup kimchi, donc on pense que c'est un plat principal et qu'on mange et tout ça. Mais en fait, kimchi, c'est un petit plat d'accompagnement, toujours à côté, une petite portion. Nous, on mange presque tous les jours kimchi. Et si vous passez un jour un dîner quelque part et vous voyez un petit portion kimchi sur la table déjà, ça veut dire qu'il y aura des invités coréens, ça sûr. Et puis si également vous devez inviter les Coréens à la maison ou ailleurs, si vous essayez un tout petit portion pour kimchi, pour eux, les Coréens arrivent, ils voient, il va être bien admiré. Ça, c'est le kimchi. Donc, la Corée, les Coréens, le kimchi, c'est inséparable. Oui, c'est ça. Well, as you can understand, for Koreans, kimchi is something a must. Actually, what is kimchi? Kimchi cannot be considered as a dish for us Europeans, but you see kimchi on the table all the time at Korean restaurants or Korean families, because they eat it as a side dish, actually. But there will be other ways to use kimchi in the Korean cuisine. Yeah. So we will talk about them later on. All right. Et donc, les ingrédients pour faire kimchi, pour varier, parce que, puisque en Corée, il en existe plus de 200 variétés. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, on mange 12 jours. Ça veut dire, non, vous n'aurez pas encore terminé tous les sortes de kimchi. Well, actually, there are almost like 200 variations or types of kimchi. And as Madame Che said, if you eat one type of kimchi today, you will be tasting it later on at the very end of the year if you want to try all the varieties actually. La préparation la plus populaire pour faire le kimchi, c'est avec le chou. Vous avez déjà reçu le chou qui sont déjà dégourgés et égouttés. C'est principalement avec ça. Et puis on peut varier, donc on peut mettre encore les ingrédients plus important dans le chou, et puis gochugaru par exemple. Je vais expliquer après tout. Gochugaru et l'ail et sauce de poisson, et c'est plus important. Et aujourd'hui, on va faire aussi avec les radis et gingembre, et puis comme quoi encore de l'oignon et poire, etc. etc. Well, actually, our Zoom participants received the ingredients. So they have all the ingredients at home. They are ready in their kitchen. The main ingredient for this is the napa cabbage. And actually, our participants received it already salted and soft, because that process is going to take time. Obviously, for streaming reasons, we cannot be here 2 days. Yeah. So everything is prepared beforehand. And our participants have the same things at home as well. So we're just going to get things together with the instructions of Madame Che. Et donc, principalement kimchi, on fait le chou, après on fait une sorte de pâte, donc la sauce, et après on va répartir et étaler feuille sur feuille. Et puis, donc, ce sont les ingrédients sont bien émaillotés dans des feuilles de chou, et après on va entasser dans des jarres ou dans des bocaux que vous avez reçus pour être fermentés. Basically, actually, what we're going to be doing is stage by stage. The first thing that we're going to do is the cabbage, but we already did that. As I told you, it's going to take time, so it's already prepared. The procedure is we put salt on the cabbage, we cut them in four and put salt on them so that the juice, the water comes out, and then it's going to be ready. But it takes about like 2-3 hours. So our participants have the already prepared versions of the napa cabbage. And then we're going to prepare the sauce and then the paste that we're going to be putting on the cabbage, and then of course it's going to be finished. Voilà. Donc je pense que c'est bien. I think we're ready. Should we ask our on demande notre participants s'ils sont prêts? Non. Juste avant de terminer, oui, parce que nous sommes coréennes, moi je suis coréenne, il faut quand même encore continuer à parler, encore une petite histoire avant de commencer, avant d'expliquer les ingrédients.
qu'on fait kimchi, qu'on fait beaucoup de kimchi, et il y a un nom de verbe en Corée. Tu connais par hasard? Non. C'est kimjang. C'est on Kimjang, fait kimchi et kimjanghada, donc faire le kimchi. On a un verbe. Et en plus, kimjang, donc le fait qu'on fait le kimchi, kimjang a été désigné patrimoine culturel immatériel de humanité de UNESCO. Donc en fait, UNESCO a dit que voilà, okay. kimjang, donc le fait que les Coréens fassent kimchi, making and sharing du kimchi, le phrase, préparation et partage du kimchi qu'on a choisi, voilà, UNESCO a dit, voilà, on va s'annoter pour patrimoine. Et pourquoi c'est important pour faire kimchi? Aujourd'hui, je vais expliquer ou Oui. je vais. Aujourd'hui, on va simplement faire un jour et 2 jours comme ça. Mais en Corée, qu'on fait kimjang, c'est une. Ça commence mi-fin novembre et que ça descend. Donc, la Corée, c'est un pays péninsule comme l'Italie. Trois côtés, on a la mer, donc la température, ça chauffe. Hein. Donc on commence tout un peu le côté froid et on descend à partir de novembre, fin novembre, et que ça descend, ça termine Kimjang, donc faire le kimchi, début mi-décembre. Et ça, c'est Kimjang. I have to take a Oui, brief très brièvement, vas-y. for translation. As you have heard, Madame Che was explaining that actually making kimchi and sharing kimchi has a particular verb in the language, and it's kimchi jang. Kimjang. Kimjang, sorry, Kimjang. And actually, this process, this event, is recognized by UNESCO, the fact of making and sharing kimchi as a traditional cultural heritage. Yeah, voilà. So it's very, very important. As you can see, kimchi and Korean culture is really like engraved in each other. So, C'est comme donc j'ai comme expliqué aujourd'hui on va faire une petite quantité mais quand on fait ça en Corée une fois c'est très famille par famille c'est différent mais facilement c'est centaines même plus on Oh. fait le kimchi. Ça peut pas être un travail de pour une personne pour une journée. Donc on appelle le voisin, on fait le cousin, ça vraiment c'est une travail, hein, c'est un travail en tout en groupe en famille. Et on commence le jour avant, pour quelques jours, on commence pour la préparation, on fait. Et pour nous, faire kimchi pour ces périodes, c'est mentalement, c'est la préparation, l'hiver. OK. Actually, making kimchi has a season. And actually, according to the information Madame Che gave, it starts with the beginning of November. And of course, if you can just imagine Korea being a peninsula like Italy, it starts in the northern part, beginning of November. And then when you go down, it can last until the last days of November as well. As she explained, it's a family business. I mean, as you can imagine, we're going to be making a very small quantity here. Oui. But in Korea, it's a family business. I mean, you cannot do it on your own, and you have to ask your cousins, your family, your neighbors to help you. It's like a communal thing. You do it all together, and of course, you do it in a big quantity. And of course, after making it, everybody shares and everybody takes some to their place as well. Et comme je vous ai dit, c'est la préparation pour nous, pour préparation pour l'hiver. Et puis, kimchi, c'était aussi une très bonne source pendant l'hiver, qu'on pouvait quand même manger légumes, qui est beaucoup de fibres dedans. Et donc, c'était très très important événement d'une année pour nous. Avant de commencer pour faire kimjang, pour faire kimchi grande quantité, on a même prié aux ancêtres pour bien passer les jours pour kimchi. Et de temps en temps, on fait un spécial événement pour chasser le malheur, en mettant quelque chose de spécial autour des jarres, hein, pour bien terminer et pour remercier les nourritures qui venaient pour l'hiver, mais aussi presque pour toute une année de kimchi.
Well, preparing kimchi is a big thing, and it's like starting the year with the preparations of kimchi, because you're going to be eating that kimchi for the whole year. And it's actually a special event as well. Before making kimchi, they pray the ancestors to show them the good day to make the kimchi and to appreciate the food that the ancestors provided for them as well. So, you know, it's not just something to make to eat. It's a whole ceremony. It's a whole show, I can say. Et puis, so, j'ai dit, et puis juste avant de terminer l'histoire de Gimjian, parce que c'est important pour nous. Donc, comme je vous ai dit, c'est la préparation, mais aussi sharing, hein, c'est partage. Donc, j'habite tout seul. Moi, j'ai pas la famille, alors j'aurai pas de kimchi. Non. En fait, que la saison, le pic moment commence pour faire kimchi, il y aura déjà des gens qui vont sonner et on va dire que, quand je vois que tu habites tout seul, alors est-ce que tu as de kimchi de cette année-ci? Et donc voisin, voisine, cousin, cousin, on partage tout kimchi ensemble. Et donc c'est aussi, voilà, c'est pour ça. On a, je pense que ça, c'était absolue valeur pour garder, préserver ce type de culture comme patrimoine. Actually, it's not just about food, it's a cultural event. And as Madame Che was explaining, it's very difficult to do it on your own. And if you say, well, I'm alone, I cannot make kimchi, but you will actually be experiencing that your neighbors come to you saying, well, you're alone, shall we do it together? So it's kind of a cultural heritage and cultural tradition that you want to keep it from generation to generation. In the meantime, I don't want to forget about our Face Live audience. So when Madame Che is going to explain the ingredients, I'm just going to have a look at the notes, comments or questions of our Face Live audience as well. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, voilà, on va commencer regarder tout ensemble avec les ingrédients. Et puis, oui, on va commencer effectivement. Vous avez déjà reçu une kit. Eh? Il y a des choux déjà dégorgés et égouttés. Il y a encore des ingrédients, hein, vous voyez, ici. Et puis, vous avez reçu un bocal pour faire. On va mettre des choux qu'on a préparé kimchi et dedans. Et puis, etc., etc. Il faut d'abord que je vous demande de rincer le bocal, bocal et pour après tout de suite utiliser. Ça va? Si vous avez déjà lavé et prêt, propre, au calme, c'est bien. I would like to thank our Face Live streamers for joining us. They wrote such lovely comments, and somebody was already asking, will the preparation of the cabbage be shown? But we already replied that, and he said, oops, yeah, it's that done. So we, Madame Che asked our Zoom participants to prepare their container, which is very important because kimchi has a very particular smell and taste. So you would like to keep it in a very good locked container. So our Zoom participants are preparing everything, and we're about to start actually. On va commencer, les ingrédients. Voilà. On commence. Donc, les recettes, vous avez aussi reçu en français, en anglais. On va tout voir ensemble. Donc, aujourd'hui, on va faire une demi-chou. Donc, vous avez déjà reçu. C'est ici. Vous avez déjà reçu de celui-ci. Donc, on va faire le deux. Voilà. Ici, donc, un demi-chou chinois. J'ai coupé en deux. C'est marqué à taille grande, dégorgée et égouttée, mais ça dépend, on peut trouver une taille plus grande et un peu plus petite. En Belgique, un chou, je pense que j'ai déjà ici, ça c'est tout petit, je pense que ça ne va pas peser 600 grammes. Mais en Corée, quand on fait le chou, c'est 2-3 kilos. C'est presque 3 kilos. Oh. C'est un gros. Oui. Et donc, mais ce n'est pas grave. On va faire aujourd'hui demi-chou. Well, just briefly, I will tell it in English. We're going to make half of the one cabbage. Actually, in Belgium, the Napa cabbages that you find are much smaller than the ones that we find in Korea. The ones in Korea are about like 3 kilograms. Yeah, three kilograms. 2 or 3 kilograms. I think the one we just showed is about like 800 grams or something. Right. So, in any case, we're just going to do half.
For what reason? First of all, time-wise, we don't have that much time to make a big quantity. And second, you won't be able to keep it at home. So. Donc, vous avez en fait reçu deux qui sont déjà dégrugés dans le sac en mm-hmm. plastique. Et puis aussi, on vous a envoyé un chou, un quartier chou qui est en fait qui n'ont pas encore été traités. Donc ça, vous pouvez encore faire demain. Les sauces qu'on va préparer, la pâte, la sauce, ça va être assez. Hein? Il y mm-hmm. aura encore, forcément, il y a encore de petites quantités qui vont rester. Donc ça, je vous propose de faire peut-être demain, encore une fois à la maison. OK. Our Zoom participants actually received two types of cabbage. The same cabbage, half of them is not prepared, but the other half is already prepared, soaked in salt, and also the water is taken out so that we are ready to do it together, because that process takes time. What Madame Chair was suggesting is, since you have the cabbage, half of the cabbage, you can do it tomorrow, because the paste that we're going to make today will be enough to do it tomorrow. Right. If you like kimchi, you should definitely try that as well. Ah. Voilà. Deuxième ingrédient, ici c'est marqué 60 grammes de radis blanc asiatique. J'ai déjà coupé comme ça. Est-ce qu'il y a moyen qu'on peut trouver ailleurs, etc. Bon, vous pouvez aller de l'aise ou ailleurs, magasin asiatique, vous pouvez toujours trouver un long radis et mm-hmm. c'est pas très difficile. Et j'ai pas tout coupé, je vous ai donné déjà un morceau complet et comme ça on va aujourd'hui tailler, couper en julienne. Donc je vais garder tel quel. The second ingredient is the white radish. You can actually find it in most of the big supermarkets, but as you all know, we also have a specialized supermarket in Brussels as well for Korean products. And so the second ingredient, as we showed, we need that much. It's not too much. And ici, c'est donc le chou et le radis, et puis 35 grammes de flocons de piment. Il y a des gens qui disent aussi le poudre de piment, mais je vais dire c'est plutôt, je vais plutôt dire flocons, parce que je vois encore les grains, la forme. Donc 35 grammes de flocons de piment, qui s'appelle gochugaru en coréen, et puis 20 grammes de gousse d'ail. Ça peut être, c'est à peu près 5, mais vous pouvez ajouter encore un peu moins, vous pouvez ajouter ou moins, ça c'est pas grave. 20 grammes de sauce de poisson fermentée. Vous avez déjà reçu hein, tout ici. Donc, sauce de poisson coréen que j'ai acheté. Et puis, il y a aussi sauce de poisson, vous voyez, crevettes. Hein? Tout petites crevettes. C'est très, très, très salé. Donc, on va utiliser aujourd'hui ça. Et puis, je vais tout continuer. Et puis, donc, c'est 20 grammes de sauce de poisson en anchois et 10 grammes de poisson, sauce de poisson fermentée crevette. Et puis, ici aussi, un petit mini pois. On va aujourd'hui, c'est tout petit, donc on va utiliser aujourd'hui la moitié. Il faut 30 grammes, mais ça peut être 20 grammes, ça peut être 30 grammes. C'est pas très grave. Hein? C'est, voilà. Et poire. Et puis, aussi, petit oignon que j'ai déjà coupé. C'est à peu près, moi j'ai préparé, c'est à peu près 20 grammes. 20 grammes, 30 grammes, c'est pas très grave. Et puis, 3 grammes de gingembre. Et c'est très gros, et donc je vais une, deux, trois fois. Un, deux, trois fois, et c'est tout. Donc, 3 grammes, et tout petit. Et puis, un oignon de printemps, j'ai ici, j'ai préparé. Et puis, donc, 3 grammes de sauce. En fait, vous pouvez, c'est pas obligé de mettre de sucre, soit de poire, soit de sucre, ou soit, moi, je préfère quand même un tout petit, quand même sucré, c'est pas grave, on met un tout petit. Jamais exagérer beaucoup, maximum 3 grammes, parce qu'on a déjà mis poire dedans. Mm-hmm. Poire, c'est sucré. Dernier. Okay. Dernier. Et puis, une cuillère de poudre de riz. Ou bien, ça peut aussi remplacer par du riz mm-hmm. qui sont déjà cuites de sushi. Sushi riz. Right. Riz de sushi. Oui. Ça, vous pouvez aussi appliquer. Mais aujourd'hui, je vous ai envoyé ça. Voilà. Et puis du sel, mais du sel aujourd'hui, vous avez reçu pour faire demain le chou qui n'était pas encore traité, mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser de sel, mais je vais expliquer plus tard.
En fait, j'ai une question parce que quelqu'un m'a demandé combien de sel on utilise pour dégorger le chou de chou chinois. Je ne sais pas en fait pourquoi on dit chou chinois, mais oui. Donc ici, c'est 12, c'est avec le Bexon de Facelife. Oui, Facelife. Ah, oui. On va savoir. J'ai marqué dans le dans la recette, c'est 500 millilitres d'eau et puis c'est marqué 100 grammes de sel. Mais 50 grammes, je vais déjà dissoudre et je vais expliquer après montrer. Et puis 50 grammes, je vais directement saupoudrer sur les parties ici blanc. Donc voilà. Donc 500 millilitres et 100 grammes. Ça va? So the reply would be around like 100 grams in total for one kilo of cabbage. Yeah. Mais si on utilise un peu plus pour dégorger, oui. C'est maintenant, okay, hein? vous voyez comment je fais. Et c'est très important de mettre la quantité de sel, mais aussi si on comprend le concept, pourquoi on fait avec du sel, etc., vous pouvez encore un peu imaginer comment doser la quantité et tout ça. Donc ça. So don't worry, we're going to be showing that. Ouais. You're going to understand better when you see it. So we're going to show how to do that as well, but we already have the prepared one. Ouais. Si vous êtes dans la cuisine, Zoom participants, are you ready? We're about to start. Oh, I'm sorry, I didn't give the ingredients in English. Ingredients que vous pouvez trouver, il peut trouver sur Internet. Exactly. Donc, our face live audience, you can actually find the ingredients on the website of the Korean Culture Center in Brussels. So, check it. Oui, et donc, si vous êtes dans la cuisine, pas de souci, je pense que vous avez déjà presque tout, ustensiles de cuisine. Donc, des bols, petits bols, cuillères, planches, deux couteaux, etc. Et aujourd'hui, il faut avoir quand même le paire de gants plastiques. Vous avez déjà, parce que sinon, ça va piquer beaucoup. Donc, des gants. Et puis, on va faire très vite, facile, et un anchois, un mixeur. Oui. C'est pas un mixeur... hand mixer. Hand mixer, c'est pas staff mixer. C'est pour tout mixer ensemble. Un petit bocal, donc je vais vous montrer. Plutôt blender. Blender, oui. Ok. C'est comme ça que je vais utiliser. Oui, comme ça que je vais utiliser. I have that at home. It's very, very useful. Yeah. Voilà. Donc, vous voyez la recette. On va commencer maintenant. Première étape, deuxième étape. Donc, couper les choux, etc. Ça, on ne va pas faire aujourd'hui. On est gentil. Vous avez déjà tout reçu. Donc, à partir de troisième, faire la pâte de piment, l'ail. Ça, vous pouvez commencer. Mais il faut d'abord montrer quand même comment on fait le chou. Parce que c'est un travail quand même, c'est très important. Mm-hmm. Donc, c'est un cours où vous devez regarder peut-être 5 minutes. Hein, 5 minutes. Et après, on va commencer à kimchi. Kimchi. Pour faire kimchi, c'est très simple. C'est ça que ça prend du temps. Et il faut quand même un tout petit comprendre comment on fait. Ça va? Actually, our Zoom participants already received the cabbage that was put in salt and the water was taken out. So this is only for you, the FaceLive audience. She's going to show you how to put the salt on and then drain the water. Yeah. Voilà, donc on va ici lire ensemble. Et comme ça, j'oublie pas. On va couper en doux. Et ici, vous voyez, c'est... Je vais couper. Donc, la moitié... Ça, c'est tout désinfecté, hein? C'est très propre, hein? Mais quand même, parce que je fais beaucoup attention, et je vais couper la moitié. So we're going to cut the cabbage in two first, from the bottom part of it, as Madame Che showed. Vous pouvez tout couper en couteau, c'est pas grave, mais en Corée, avec gros chou, qu'on fait comme ça, gentiment, séparé à la main. Voilà. We actually cut the cabbage in two. Until the middle, and then you separate it with your hands. Les gens ont dit pourquoi? C'est parce que vous voyez le chou, c'est le. En fait, ils grandissent le feuille, petit feuille, 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 grand. Et donc ici, c'est très grand, mais ici, c'est encore petit. Mais c'est pas encore très grand. Et si on coupe de tout en couteau, et ici, c'est parti qui sont encore attachés, que ça pourrait être. Que ça va détacher, ça pourrait aussi. Donc, pour éviter que ça va être tout en morceaux, pour éviter ces situations, je coupe séparément à la main, doucement, comme ça.
So we cut it half. Why? From the halfway, because in the inside, as Madame Che showed you, the little parts can be separated, and then you can lose them. Just to keep them in their place, we just cut it in half and then gently separated by our hands. And it's traditionally how it's done in Korea as well. Ouais. So. Voilà. Et après, comme le pont, comme quartier, comme un quart, je vais faire encore aussi la moitié. Déjà, voilà, c'est aussi comme ça. Ou bien, tout simplement, on coupe la moitié. Voilà, c'est comme vous voulez. So again, we are going to cut to make it in quarters. You can actually do it the same way that we did to cut it in half. You do cut it in halfway and then you separate with your hands. Or this time you can just cut it in half as well. So we will use two quarters, one half. Ouais. Donc si c'est marqué 500 millilitres d'eau, pour maintenant on va préparer la salaison, c'est la saumure en français. Well, we have 500 milliliters of water and we're going to prepare the salty water. Ouais. Donc ici 50 grammes, oui c'est 50 grammes marqué et c'est à peu près la moitié que j'ai préparée. Ça, je vous ai déjà envoyé un paquet. Hein. Mm-hmm. C'est de celles qui viennent de la Corée de l'Ouest. Oui. Mm-hmm. C'est, on utilise souvent, c'est pour la saumure. Hein. C'est pas pour une sel de table. C'est pour spécialement pour faire kimchi. Our Zoom participants are very lucky because they even received the salt that we are using at the moment, which is very special because this one comes from Korea, the west part of Korea. So you're very lucky. Et ça, c'est du sel, donc on met ça dedans. Et après, avec les mains, on va essayer de faire fondre. We put the salt, 50 grams, about 50 grams of salt in the water. And then we stir it just to make the salt dissolve in the water. Mm-hmm. Et la différence du sel ici, est ce sel. Et c'est, normalement, ça va pas fondre très vite le sel de mer qu'on achète ici, tandis que ça c'est presque tout est fondu. Vous voyez, tu vois ça? The difference you're showing me. Yes, voilà. It's true. Actually, the difference between the salt coming from Korea and the one that you can buy at the supermarket is that this one dissolves in water faster than the sea salt that you will be buying. By the way, you should be using sea salt. For this, not the normal, very refined one. Avant des gens qui vont poser question, oui, est-ce qu'il n'y a pas une autre sel? Est-ce que c'est possible des autres? C'est possible, mais de préférence, il faut utiliser du sel, un gros sel de mer, pur. Mm-hmm. Pas de sel de Himalaya ou pas de sel de truffle, ou etc. Non. C'est le pur, hein, on essaie. Et aussi pas de produits chimiques ou iode, etc. C'est pur sel, c'est mieux. Voilà. Before you guys ask, she replied already, saying that we prefer to use the sea salt with bigger grains, but preferably sea salt, not the Himalaya salt or anything chemical. Actually, we should be using something coming from the sea. Hey. Himalaya, je pense, c'est aussi très bon goût, mais ça coûte cher pour ça. Yeah, it's very expensive. Okay. Et ici, je vais tremper dans l'eau. Mm-hmm. Voilà. Ici, maintenant, la caméra. Okay. On peut voir. On va laisser ça et après un peu tremper et puis un grand récipient, on va laisser à côté comme ça. Oui. So we are soaking the cabbages, the quarter ones, in this salty water, and we make sure that all of the cabbage receives the salty water, and then we are going to put it aside in another container. Voilà. Après. Vous voyez, ici, c'est très fine, c'est la feuille très fine. Par contre, ici, les blancs, ce côté-là, c'est les parties blanches, c'est plus épais et c'est plus charnu. Donc, on a donné le même niveau de sel avec l'eau trempée. Est-ce que ça sera la même vitesse pour déroger le chou? Non. Ici, ça va être très vite. Ici, non. Non. Donc, ça va être déjà prête et ici pas prête. Non, c'est le kimchi, ça va foirer, c'est pas bon. Donc, on va mettre encore le reste de sel. Commencez d'abord ici ou d'abord ici, c'est pas du tout grave. Et vous mettez saupoudrer les parties le plus charnues, les côtés blanches ici. Vous mettez un peu comme ça. Essayez de ne pas laisser du sel
Après, tout ici. Pas toucher ici avec du sel, c'est surtout pour laisser du sel ici dedans. Actually, voilà. as you can see from the natural being of the cabbage, the leaf parts are thinner than the bottom part. So we will be adding some more salt to the thicker parts of the cabbage. Make sure that you don't put it on the thin part at the very end because it's already very thin and it's going to be soaked much faster than the thicker parts, so we don't want that in kimchi. So make sure that you only put the extra salt in the lower part, the bottom part of the voilà. Cabbage. Donc, maintenant ici, ils étaient une fois dans, cette partie était dans l'eau. Ici, cette partie était dans l'eau aussi. Et puis maintenant, on ajoute un cours de sel. Donc, le niveau de prendre du sel, ça serait à peu près le même pour le résultat. Et puis, je laisse ici le vide récipient et je vais le lot que j'ai utilisé pour tremper, je vais mettre ici un peu pour. Je ne vais pas tout vexer, c'est juste au moment un peu comme ça, c'est pour tremper, hein. C'est pas pour l'eau. Et voilà, et puis ici, c'est terminé. Voilà, c'est parti. Perfect. Just to make sure that the bottom part of the cabbage should be left in some of the salty water, as we said, for the same reason, because they're thicker and it would take more time and more effort for the salt to get it softer. Oui. Voilà, comme ça, on met à côté avec cette taille en Belgique le jour et pour ce type de style qu'on a coupé. Et je vais laisser ça pendant 5 heures, 6 heures, quelque chose avec la température comme ça. Et que finalement, on aura un bon résultat. Mais, maintenant, il est très comme ça. Mais après, avec du sel, il va un peu, petit à petit, moins d'énergie. Après, un peu glisser et il va être finalement dans le bain. Et c'est tout à fait normal qu'on va de temps en temps un peu tourner pour un cours. Pour donner un peu, pour bien dérouger les parties très bien. Et comme ça, équivalent. Donc, toutes les 12 heures, que je vais un peu toucher, je vais un peu retourner à gauche et à droite pour qu'ils puissent prendre tout de sel au même côté. Well, actually, we're going to set this aside and leave it for about 5 to 6 hours because this cabbage is smaller than the cabbages in Korea. And from time to time, don't forget to turn it because we want to make sure that all parts of the cabbage is softened with the effect of the salt. So this will stay. This was the first stage of our kimchi. As I said before, our zoo participants already received the one which has been soaked in salty water for a long time. So now it's time to go to the second stage of our kimchi. Voilà. Par exemple, pour encore plus vite montrer-le. Donc, le chou, il est prêt. This c'est is prêt. The ready one. Voilà, c'est prêt. Alors, maintenant, il y a plein de sel dans le chou. Il faut rincer. Sinon, ça devient trop salé. Et comment on va rincer? On va maintenant, on va trois fois, on va abondamment rincer. Et puis, vous mettez dans l'eau. Et puis, on va essayer ici les parties qui étaient encore très salées. Et on fait un peu comme ça, un peu rincer. C'est manié. Et puis, voilà, ça il faut répéter trois fois. When the cabbage has been soaked in water like for about 5 or 6 hours, you will already see that they get softened and they actually started lying in the salty water. What we're going to do is to rinse the water, the salt out of the cabbage because it's going to be too salty. How you do it is you take a bowl with lots of water, without salt by the way, and you're going to make sure that you actually wash the cabbages at least 2-3 times to make sure that all the salt is taken away. Si vous prenez à l'intérieur de ici dans le chou, vous prenez un petit morceau comme ça. C'est un peu salé le goût de chou et ça va.
Et il faut penser que la pâte, plus tard qu'on va appliquer, et c'est aussi salé. Donc si c'est agréable, c'est bon. Mais si vous voyez, vous goûtez, mm-hmm. et si c'est vraiment trop salé, ça, il faut encore rincer. Well, I mean, it's just you have to go with the nose. You have to try it to make sure that the salt is not that much. Taste it, and if you think that it's okay, that's fine. But if you feel like it's a little bit too much, make sure that you clean it a little bit more, because we're going to be using a little bit more salt when we prepare the paste. Ouais. So you don't want to end up with a very salty kimchi. Ouais. Maintenant, les participants, je vois que vous êtes très, très occupés, et je vais faire un petit quiz. Ok, oui. Quiz time for the Zoom participants. Vous avez maintenant, vous n'avez pas encore commencé, donc je vais compter que vos mains sont encore sont libres. Et quelqu'un qui tape le plus vite la réponse, et ça c'est gagnant. Je ne sais pas le prix, mais voilà. Et alors, vous avez reçu le chou qui est, mm-hmm. est prête. Alors, quel signe que le chou est prête pour juste avant de faire vraiment kimchi. Oh. Et quel est quel signe? Oh. Et quelqu'un, les gens savent la réponse, vous pouvez tout de suite. Ok, pour le face live. C'est déjà quelqu'un a répondu. Mathilde. Perfect. Well, actually, we are trying to interact with our Zoom participants. Madame Shi is making a little quiz to our participants. She's asking how you understand the cabbage is ready for the second stage after being put in the salty water. So we would like to know if our Zoom participants know the answer. Of course, if the Face Life audience knows it as well, I will also be looking at the comments. We're waiting for the answer from our Zoom participants. Je pense que, en fait, tout le monde déjà la réponse déjà exacte. En fait, une bonne réponse, c'est que quand vous voyez les parties, comme je vous ai dit, très épais, le blanc est très mm-hmm. charnu, et c'est là, ça doit être facilement, il se couvre comme mm-hmm. ça. Et c'est pliable, hein, vous mm-hmm. voyez. Mais comme j'ai fait, par exemple, ça, j'ai fait il y a 3 heures ici. Je vous montre. C'est bon. Et ça, j'ai aussi fait, mais quand vous voyez, ici ça va, mais quand à l'intérieur, si je fais, ça va. je pense que ça, non. Ici, oui, c'est dur. Voilà. Et sans être brisé. Si c'est comme ça, c'est pas encore prêt. Donc, vous testez. Well, the answer to this is it has to be soft. And to make sure, we already showed you that the ones that had been in salty water for 3 hours is not really that ready. When you just try to bend it, it cracks if it's not ready. No. If it's ready, it's just soft. You can easily bend it and, you can actually see visually, you can understand that they are much more softer than the initial time. Voilà, leaves can easily fold, the texture, voilà, tout répond. Et maintenant, avant de commencer vraiment, et encore 12e quiz. Okay. Maintenant, voilà, tout est bien lavé. On va dire que c'est bien lavé. Et après, on va laisser égoutter. Liquide doit presque tout partir. Et ça, la quiz. La quiz ou le quiz? La question. Oui, la question. Voilà, maintenant, on va égoutter. Le chou va. Vous pouvez choisir le plus vite. Hein? On va laisser comme ça. Ça, c'est le A. Ou on va laisser comme ça. Ça, c'est B. Quelle position qui est parfaite pour égoutter le chou? OK, the second. Voilà, vous tapez. Le A, c'est cette manière. Vous voyez bien? Et B, c'est comme ça. OK, the second question for our Zoom participants is that when you're soaking, draining the water, which position do you put the cabbage on? A is the hard part of it, the outer shell is on the top, or B, the inner part is on the top. So voilà. Just we are waiting for the reply of c'est the la réponse participants. B, voilà. Okay, the correct comme answer ça, is B. Il faut faire. Pourquoi? Si on fait comme ça, l'eau est bien, les feuilles comme ça, et comment ça va être bon pour égoutter tout l'eau? Non. Donc il faut laisser comme ça. Ou bien vous laissez quelque part comme ça. Mais jamais une position, ça ne va pas bien égoutter. Donc voilà. Et puis,
Je laisse comme ça pour laisser égoutter. Voilà, donc il n'y a que seul deux qui est A. C'est pas grave, on a appris ça. Well, the right answer is B, meaning the outer part, shell, will be on top. So the reason is, if you leave it the other way around, the water will not drain because the water will be staying in the cabbage. To do that, the inner part of the cabbage should be looking downwards. Et puis, dans le paquet, vous avez reçu un corps de feuilles qui sont détachées. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont ça, ou si vous ne voyez pas, il ne faut pas jeter ça, on va utiliser aussi. Ah, oui, okay. Donc, il faut garder ça, on va utiliser en tant que couverture. Voilà. There's one piece which is taken out of the whole cabbage, so don't throw that away, we're going to be using it later on. Donc, vous pouvez laisser, donc, je pense que c'est déjà bien égoutté, vous pouvez laisser comme tel quel, comme ça. Vous pouvez laisser comme ça, à part. Ok, we put that aside now. Voilà. Et maintenant, donc le chou est prêt. Oui, le chou est prêt. Mm-hmm. On va commencer à faire la pâte de piment. Ça va? Now that the cabbage is ready, we're going to start with the paste, the famous paste. Donc, ça va être très vite. That's quite fast, ouais. Actually. Donc, vous prenez une boule. Ici, c'est marqué dans un bol, mettre les flocons de piment et un peu de sucre. De préférence, vous pouvez ça mettre au balance pour voir quand même le gramme que j'ai marqué parce que on vous a envoyé encore un peu plus pour être sûr. Okay. Donc, si vous avez une balance, vous mettez 35 grammes. Moi, j'ai tout mesuré, donc vous mettez ça dans un bol. So we are putting chili flakes, which is about like 35 grams, in a bowl. Oui. Et puis, ici, c'est marqué un peu de sucre. Mais c'est comme vous pouvez choisir. On va d'office mettre un poire. Moi, je préfère pas de mettre beaucoup de sel ou le goût de sucre. Le goût de sucre, vous mettez pas. Mais le sucre, ça... Comment on dit, ça aide toujours aussi une fermentation. Donc, il faut absolument mettre soit de poire, soit de sucre ou un peu de tout, tous les deux, et c'est bon. Moi, je vais mettre un peu de sucre parce qu'on va manger tout de suite. Now we're going to add a little bit of sugar, not too much, because we're going to be using in the recipe pear, and that will give the sweet taste as well. Well, it's kind of up to you, but don't put too much. But just to give you the information that sugar helps with the process of fermentation. So we need to put it, but not too much. Ouais. Voilà, maintenant vous préparez des hachoirs, oui, un mixeur. Blender. Mais de préférence la taille pas petite, parce que la quantité qu'aujourd'hui qu'on va traiter, c'est pas beaucoup. Donc sinon, ça tourne pas bien. Donc ici, vous prenez... Et puis, on va mettre tout ici, après on va tout mixer, c'est très simple. Et vous voulez la poire, donc je vais... La taille, c'est, je pense que c'est à peu près la moitié, c'est 20-30 grammes. Donc, je ne vais même pas peser et je vais tout de suite utiliser. Donc, vous voulez la poire. Now we're going to put the rest of the ingredients in the blender. We should try to find the blender... big enough to get all the ingredients in there. We're going to mix them in there. And we're going to start with the pear, which is going to be about like 20 grams? Well, 20, not, 30 grams. Yeah, well, not too much. That will be enough. So we peel the pear and then we cut it in little pieces so that we can mix it easily. Oui. Donc, peler la poire, après le gousse d'ail. And then the garlic. Oui, donc ici, c'est pour moi, c'était 20 grammes. Donc 3, ça peut être 4, ça peut être 5, mais pas trop exagéré, à peu près. Donc déjà, des ail, du gousse d'ail. So 20 grams of garlic, depending on how big, depending on how big your garlic is, you can be using 3 cloves or up to 5 cloves of garlic. Et puis, donc on va... C'est pas très évident de tout mettre si c'est un gros morceau. Donc, on va justement tout dégrossir. Donc, l'oignon, ça aussi, je mets dedans. And we add the onion. Not the full onion, it's a little bit of onion. We would say about like 30 grams of onions.
And just cut them in little pieces. It doesn't have to be too small, too big. We're just going to mix it with the blender anyways. Mm. Ici, donc, le gingembre tout petit, pas beaucoup. Donc, une, deux, un, deux, trois fois, ça marche aussi. Ou bien, comme pour aussi, tout petit. We're going to add the ginger, but not too much. As Madame Chair was explaining, just like two, three slices, little slices of it. Tout petit, that'll be comme enough. Ça. Et je vais mettre ici dedans. Et puis, on va directement mettre 20 grammes de sauce poisson anchois. Well, we are adding 20 milliliters of anchovy fish sauce because we have to. 20 grams. 20 grams. Gram. Oui. It's a liquid. Yeah, 20 milliliters. Milliliters. Je pense que. Oui. 20 grams. Vous pouvez regarder la recette, hein, pas de problème. Et ici, de sauce de poisson, crevette. Vous voyez, c'est tout petit crevette. And the second type of fish sauce is the I'm looking, not to make a... Ouais. Yeah, that, that's the shrimp one. Ouais. We use the anchovy one and the shrimp one. There are two types of fish sauce. Voilà, c'est tout. Hein? S'il y a quelqu'un qui n'aime pas les sauces poisson, est-ce qu'on On peut remplacer avec du sel, du sel de mer. Et puis, vous pouvez utiliser un tout petit aussi sauce soja. Mm-hmm. Mais sauce soja coréen qu'on utilise plutôt pour la soupe et tout ça. Mm. Donc en fait, dans le magasin asiatique, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, vous pouvez trouver sauce soja générale, produit coréen. Mm-hmm. Je vais plutôt dire produit coréen. Mm-hmm. Et puis vous pouvez trouver aussi produit de sauce soja. Un peu moins noir, la couleur un peu plus légère. Vous devez bien regarder, ça s'appelle gukganjang. Ça, vous pouvez aussi remplacer pour les gens qui n'aiment pas des sauces poisson. I actually asked Madame Che if we can use something else instead of the fish sauces if you don't like fish sauce or if you're vegetarian, if you don't want to use it. She said we can use either some more salt or actually some soya sauce, but there are different types of soya sauces. There are actually two. And actually, if you want to know about those, you can watch the videos that we made recently about the Korean ingredients. So if you watch that video, you will see that we explain all the ingredients, the differences of the sauce, soya sauces and other fish sauces as well. Et après ça, on va tout mixer. Hein? Now everything we put in the blender and we're mixing it. Voilà, vous voyez. Je vais. Aujourd'hui, donc en fait, la pâte, c'est un peu plus que demi-jour. Ça pourrait être un peu, ça pourrait être en tout cas un peu plus de pour la quantité, hein, pour une demi-jour. Parce que si c'est trop peu, vous voyez, ça tourne pas facilement. Donc, si vous voulez faire à la main, c'est bon avec une et ou bien, je vais encore essayer de mixer parce que pas assez. Actually, we try to have a very soft, like a puree type of texture. Désolé, hein? There's some noise here. It has to be quite liquidy. En fait, il y a une question de notre Face Live audience. Si on choisit d'utiliser sel ou sauce soja au lieu de fish sauce, est-ce qu'il faut mettre juste comme ça ou avec un peu d'eau, il faut diluer? Ah oui, c'est pas encore tout. Terminé comme les ingrédients. Je vais encore vous montrer. Parce que c'est vrai, il faut avoir un peu de liquide pour que le flocon prend un peu plus de liquide. Voilà. Et maintenant, donc, toutes les choses qu'on a mixées, on va bien. Et après, on va mettre ça dans un bol qu'on a préparé de gochugaru. Voilà. Now we're going to mix this mixture with the chili flakes that we prepared before with a little bit of sugar, as you remember. Ouais.
And I think Ludo's question is already answered by if you use salt instead of the fish sauces, since it's going to be mixed in the blender, you can just put salt like that. You don't need to dilute it with water, I guess. Ça marche pour les participants au Zoom? Any questions? Ça Zoom marche jusqu'à maintenant? Thumbs up? Voilà. Yay! Super! Our Zoom participants are very motivated and enthusiastic. I mean, we're looking at them from time to time. It's amazing. Thank you very much. And of course, our Face Live audience as well. I have been reading your lovely voilà. Comments and questions. Thank you all very much for joining us with this lovely event. Et puis, maintenant, donc, on a mélangé. On doit donner un peu de temps pour que, comme je vous ai dit, le flocon de piment gonfle un peu. Donc, on va laisser pour l'instant comme ça. Et puis, comme encore un supplément, un liquide, peut-être un liquide pour encore mélanger mieux, on va préparer maintenant une pâte de riz. Et donc ici, on a poisson fermenté, ajouter ce mélange dans le bowl, bien mélanger pour que le flocon de piment gonfle petit à petit. Voilà, on a terminé jusqu'à ici. Et puis, dans une petite casserole, ça va? Dans une petite casserole, on va faire maintenant une sorte de col, une sorte de pâte de riz pour un court mélanger ici. Et c'est comme ça, la sauce est prête, la pâte est prête. Now we're going to start with the next stage of our recipe, which is to prepare kind of a sauce with the rice. With the rice, yes. Voilà. Et maintenant, vous prenez une petite casserole. C'est pas nécessaire avec une couverture, de couvercle. Et maintenant, on va laisser. Une question? Il y a une question. Do the shrimps go in the mix with the shrimps sauce? Il faut que vous utilisez plutôt. Donc, je vais vous montrer ça. Vous pouvez absolument trouver dans le magasin chinois, dans le magasin asiatique, chinois, coréen, ici. La question était un vrai crevette. Oui, il faut mettre les crevettes. Mais en fait, c'est le sauce de crevette qu'on met. Donc, c'est pas le crevette, c'est tout. Vous pouvez ajouter normalement de crevettes. Il y a aussi différentes recettes qu'on peut utiliser. Mais ça, c'est vraiment, c'est très. Vous pouvez goûter, c'est très très salé. Donc en fait, on utilise en tant que sel. Sel avec goût de crevette dedans, donc ça fait encore le goût plus profond, un peu plus accentué, etc. Donc si vous mettez crevette direct, il faut mettre quand même aussi fort quelque chose de sel dedans. Donc pas en simplement. En fait, quelqu'un a mal compris, c'est pas crevette, hein, c'est le sauce de crevette. Donc on a déjà utilisé ça. Oui, c'est tout. Mais c'est la forme de crevette. Hein. Il y a des crevettes dedans. C'est pas crevette grise, non, c'est pas ça. Vous pouvez goûter autour de bol et c'est très très salé. C'est presque comme du sel. Il y a encore une autre question. What about the rice powder? On va commencer maintenant. Oui. Oui. Donc, on va mettre le feu. So we start the stove and we have a little pot here. Ici, c'est marqué dans une petite casserole diluée une cuillère à soupe. Et puis, 4 cuillères à soupe de l'eau. Vous pouvez fixer. Right now, we started the stove. We're going to mix 1 tablespoon of rice powder with 4 tablespoons of water. Oui. C'est marqué pour vous, c'est de l'eau, mais moi, je vais utiliser le bouillon qu'on a fait la semaine passée. Ah. C'est le bouillon. Okay. C'est 4 cuillères à soupe dedans. Actually, you are going to be using water, but Madame Che is using the broth that we made last week during our culinary workshop when we were making the tteokguk. Oui. So it will add a delicious taste as well. So il faut maintenant faire attention. On va remuer sans s'arrêter, sans arrêter, parce que ça va très vite couler. Okay. Make sure that you are stirring at all times because if you don't, it's going to be sticking to the pot. As you can see, it has got like a puree right now. J'ai déjà retiré du feu. Vous voyez, c'est comme ça.
in a very short time, the mixture had become like a puree or like a pudding. Oui, so c'est... it's ready now. Il faut vraiment retirer de feu, pas longtemps. Ah, c'est le bon moment et maintenant, non, c'est déjà trop tard. Deux, trois secondes avant, il faut retirer. Okay, you have to take it out of the stove immediately. Yeah. If you leave it there, it's going to be burned and stuck to the bottom of the pot. Voilà. Et donc, je prends une bonne cuillère de ça et je mettrai encore dans le, avec le flocon, avec le, de l'ail et tout ça. Je vais tout mélanger. Et j'ai pris une cuillère à soupe. Okay, so we're going to put 1 tablespoon of this mixture that we prepared with rice powder and water in the bowl that we put all the mixture of fish sauces and the pear and the ginger and everything with the chili flakes. Voilà. So everything is together right now. Donc, j'ai fait ça. Je vois que vous êtes très occupés. Est-ce qu'on va vraiment vite? Est-ce qu'on va vite? Is it too fast for you, Zoom participants? Ah, c'est trop vite. Ok, on attend. No, perfect. You guys are amazing. You guys are amazing. We can see hands, thumbs up and okay signs. Now I'm going to have a look at my face live audience. Oh, there are so many lovely emojis like smiling, laughing, thumbs up. Thank you all very much following us for following us. En attendant le Zoom participant, la Corée, la kimchi en 2015, je pense, c'était réputé, c'était choisi un des plats, d'être un des plats le plus sain du monde pour la santé. Et c'est parce que kimchi en général, il fournit de nombreux nutriments. Il y a beaucoup de vitamines A et B1, B2, calcium et de fer. Well, actually, kimchi has been recognized as one of the healthiest dishes in the world because there are so many healthy ingredients in there and it's full of vitamins like B1, B2. A, B1, B2, calcium et du fer. There's calcium and all the good stuff that we need for our body. So actually, no wonder they eat every day. Il ne faut pas exagérer trop. Il ne faut pas exagérer trop. Et toujours, petite portion, ça suffit. Et c'est kimchi, donc si je continue en attendant les participants. Et donc, c'est un source de fibres et très peu de calories. Et donc, c'est très bien en général pour manger, c'est agréable. Et aussi, tout comme les yaourts, il y a bonnes bactéries bénéfiques et microbes qui vivent dedans. Oui. Et donc, par exemple, ça s'appelle lactobacille. Et on fait le kimchi. Après, vous voyez, il y a toujours le jus de kimchi. Dans un gramme de jus de kimchi, c'est difficile peut-être expliquer, un gramme de kimchi, on voit, selon les études, on voit 1 million de lactobacilles, donc une bactérie qui est bien pour la santé, ou de temps en temps jusqu'à 10 milliards de lactobacilles dedans. Donc, I'm not going to be able to remember all these numbers, but Madame Che is trying to explain that it's very healthy because there are healthy bacteria in kimchi. I mean, even in very small quantities, you can find lots of good bacteria, just like yogurt. And the name was lactobacteria? Lactobacille en français. Lactobacille in French, and I'm sure it's the same in English as well. So that's the thing that gives the healthiness to the kimchi. Ouais. Donc, so we're waiting for our Zoom participants to finish this stage of the kimchi before we start for the next stage. Ouais, on va continuer. En tout cas, de toute façon, on doit attendre pour qu'il va encore... il faut attendre minimum 20 demi-heures pour que ça va être encore plus lisse. Donc, il faut d'office attendre un peu. So we have to make sure that we keep the whole mixture aside for a while so that they are dissolved in each other. So for about like 20 minutes, 30 minutes if you like. And in the meantime, we're going to do other stuff. Et maintenant, comme vous voyez, c'est les pâtes, c'est encore assez épais. Je ne sais pas le résultat pour vous, mais normalement, c'est un peu épais. Maintenant, on va
Aujourd'hui, on va mettre simplement de l'oignon de printemps et les ingrédients, c'est le radis qu'on va couper en ça, pas, ça, en rondelles que je vais couper et ça en julienne que je vais couper. Je vais vous montrer. Now we're going to add the green onions and the white radish. Of course, after cutting them in little pieces. Donc, la taille, vous voyez, moi je ne fais pas si grande. Voilà. C'est comme ça, vous voyez, donc c'est, je garde la longueur, mais l'épaisseur c'est 3 millimètres, quelque chose comme ça. Je coupe taillé en julienne. So we are cutting the white radish in stripes about like 3 millimeters. Madame Chi is very precise. Et puis, une bonne façon que je coupe, et je vais superposer l'un l'autre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et puis, je vais couper comme ça. Et vous voyez, ça, c'est facile. De temps en temps. Pas grave. Et puis, ou vous pouvez aussi tout mettre ensemble, mais c'est c'est difficile, dernière partie, et donc je coupe comme ça. Voilà. Donc, vous avez tout. Et puis, tous les radis, donc 60 grammes, je mettrai ici. So we added the white radish into the mixture that we prepared. Et puis, je vais mélanger soigneusement parce que si on fait très vite, très fort, ça va casser. C'est so pas bon. We're going to mix everything together, but try to be gentle because we don't want to break the radishes. Ouais. Voilà. La pâte était très épaisse, mais maintenant, on va. C'est avec le comme ce phénomène de pression, osmose. Donc, avec de sauce, de piment, c'est salé. Donc, à cause qu'il est salé autour de radis, et il va aussi dégorger. Le radis va dégorger l'eau. Il va, et donc, après, les pâtes étaient très épais, ça va mélanger, très bonne homogène, et ça devient un peu plus lisse. Ok. At the moment, the paste that we prepared seems to be really thick. And you would think, oh, it's a little bit too thick. But don't forget, we put the radish in there. And since there is salt in the paste, that salt actually is going to make the radish soften and leave its water as well. So then it's going to be a little bit more liquidy. Voilà. Et puis, je vais couper ça, l'oignon de printemps. Madame Che is cutting the green onions in little circles. Oui. Et vous avez sans doute la quantité assez. Je ne vais pas tout mettre. Peut-être 2 cuillères à soupe. À peu près comme ça. Je ne vais pas tout utiliser. Je pense que ça sera assez. Et puis, de nouveau, je mélange ensemble. Voilà, c'est prêt. On doit attendre. We added the spring onions that we chopped. And actually, there is one question from our live audience. C'est en français, je peux dire. Je viens de vous rejoindre. Est-ce que vous avez fait une base d'eau, farine et sucre pour le mélange des légumes et gochujang? Je pense que c'était notre poudre de riz. Oui. On a mélangé avec un peu d'eau. Tout ce qu'on a préparé jusqu'à maintenant, on a tout mélangé dans un bol tout au début avec le flocon de piment. Ici aussi, quelqu'un, je ne connais pas le nom. Doit-on mettre tout le radis. Vous pouvez, je pense que c'est un peu plus que 60 grammes. Vous pouvez mettre, tout, mais vous pouvez la moitié ou aussi mesurer. De peser 60-70 grammes à peu près, c'est bon. Voilà. Those are the questions I've seen. So,
we are going to continue ouais. with the next voilà. stage. En fait, c'est presque tout, presque terminé. Est-ce que vous êtes prêts? So, we're asking our Zoom participants if they are done with all the stages ouais. because, oh, we can see the thumbs up, hands ouais. up. Thank you. You guys are doing a wonderful job. Voilà. Are we having fun, by the way? We want to see you waving if you're having fun. Yay! Oh, it's for our Face Live audience, I have to tell you that it's so much fun to be doing this together with our Zoom participants. They are amazing. Some of them are not alone. And for example, Nguyen is with her daughter, I guess. She looks gorgeous. And I have a couple of sisters that I might know about. They're my classmates from Korean language course. Hi, Chloe. Je vais juste vous expliquer. Et maintenant... Okay. Donc, ce que j'ai fait, je viens de faire, vous voyez, c'est un cours assez un cours épais. Et celui-ci, j'ai fait il y a 3 heures aussi, même temps, quand je suis venue ici. Vous voyez, c'est exactement le même gramme, même quantité. Et vous voyez, c'est un cours plus lisse. As you can see, Madame Che has prepared 1-3 hours prior the show or the event, let's say, and you can see the consistency has changed into a more liquid one because of the reddish leaving its water as well. Voilà. So that's why we actually leave it aside and to rest ouais. so that it works its chemistry ouais. and then becomes with the texture that we want to have. Donc normalement ça vous avez fait. Vous pouvez faire le lendemain et vous pouvez faire un peu plus tard. Mais normalement, pour comme ça, un peu plus lisse, et c'est plus lisse et c'est plus facile de répartir, étaler. Donc, on doit d'office encore attendre. Je vois, c'est minimum demi-heure. Mm-hmm. Mais comme on n'a pas encore beaucoup de temps, on n'a que 2 heures. Donc, je vais utiliser et vous pouvez faire aujourd'hui. Mais en principe, on va un peu attendre mm-hmm. pour que le flocon devienne... Ideally, when we prepare this paste, we have to give some time for about like 2-3 hours. But obviously, for the sake of the show, we cannot wait that long. So we're going to be making this now. But for our Zoom participants, if you would like, you can do this tomorrow, actually, the procedure that we're going to be showing you tomorrow. Or you can do it just like us, and then mm-hmm. that'll be fine. But ideally, we would like to keep it aside for a while. Voilà. On va commencer. Maintenant, il faut mettre... On va toucher la pâte de piment. Ça pique la peau, peut-être pour vous. Hein. Et donc, on va... Okay. Time to put on gloves because this paste has chili flakes in it. So it might be very, very spicy and maybe you might have some reaction, allergic reaction on your hands. It's a little bit not pleasant. So it would be better to have your gloves on. Donc, vous voyez, j'ai, comme tout à l'heure, j'ai laissé sur une grille comme ça et c'est déjà très, très bien égoutté. Et celui-ci, j'ai fait déjà longtemps, donc en fait, c'est presque un peu sec. Mais normalement, vous pouvez laisser ça pendant 1 heure. Hein, c'est prêt pour tout de suite commencer. Et maintenant, donc, on prend. Donc, vous voyez, donc la quantité, c'est assez pour tout. Le chou et puis vous pouvez encore utiliser le lendemain, je suis assez sûre. Il faut pas trop mettre trop dedans, non. There is one question which is how much white radish have you used, and it's 60 grams of white radish we have been using. Donc je prends une cuillère de soupe, oui, et puis je mets ici un peu. Après, voilà, vous voyez, c'est pour repartir et étaler. Et puis, si ce n'est pas assez, je prends un peu plus pour continuer. Il faut mettre beaucoup de pâte plutôt à l'intérieur de partie blanche, pas à l'extérieur. L'extérieur de ici, c'est le feuille très fine et c'est d'office, ça va avec l'eau, encore le sauce, ça va encore bien tremper dans le jus, mais ça, c'est plutôt, il faut mettre, vous voyez, je ne sais pas si c'est bien, et je prends, c'est plutôt ici, beaucoup, et puis je fais comme ça. Now you can see how we put the paste that we prepared before
On the cabbage, Madame Che is emphasizing the fact that you should be putting more of the paste in the lower part where it's thicker, because the thinner part will receive it afterwards anyways, and that part is thin, so that'll be enough for it. Oui. So that's how you smear the paste on the cabbage, actually leaf by leaf. Oui, voilà. Et puis, je tiens encore dernière partie et je mettrai tout bien. Et puis, oui, c'est prêt. Ça va pour vous? Zoom participants, is everything okay? Perfect! Voilà. Et maintenant? Donc, j'ai tout bien mis dedans. Ce n'est pas nécessaire l'autre côté, c'est seulement feuille sur feuille, feuille par feuille. Vous pouvez mettre légèrement. En tout cas, ça va être tout entassé dans le bocal et ça sort le jus, ça sort la sauce et ça va mélanger bien. Donc, c'est une... Well, actually, côté, we are putting bon. The paste in the inner part of the cabbage. You don't have to put it on the outer part because we're going to be putting it in a container where the sauce or the paste will be leaving the juice and they're going to be together. So ouais. That'll be fine. Maintenant, je prends celui comme ça et puis je laisse une feuille de l'extérieur le plus. Hein, ça, je prends pas et je laisse et je te Je plie, oui, voilà, comme ça. Oui, vous voyez? Et puis, avec le dernier feuille de chou, le feuille, je vais comme ça, okay. Entourer. Well, the trick here is you actually hold the cabbage, leaving the outer leaf aside, all the other ones together, but the other one. And what you do is the ones together, you just fold it into two, and the part that was left aside, the leaf that was you left aside, you just wrap it around the piece that you folded. Et ici, sorry, when we should add shrimp sauce. Ah oui. Et à quel moment faut-il mettre la sauce de crevette? Tout ensemble. On a déjà mis, non? Oui, on a déjà mis dans le pâte, oui. on a préparé. À quel moment? Ok. Voilà. Je vais encore vous montrer. Donc, on a tout bien maintenant réparti, étalé la sauce. Je garde une feuille, la dernière feuille. Et puis, je tourne, je plie la moitié, un peu, la moitié ou un tiers. Mm-hmm. Et puis, la dernière feuille, je tourne autour. Voilà. Et wrap comme ça, on va garder dans le bocal. So, voyez? It's a nice package wrapped up and we're going to put it in the bocal. Oui. Would you like me, est-ce que oui. je for you? Vous pouvez? Pour Merci. Vous. Voilà. C'est le parti, c'est le chou que j'ai gardé pour vous montrer le très grand parti. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous ai envoyé ce bocal, mais vous pouvez mettre ce forme hein, dans une autre bocal ou dans une autre boîte. Et en tout cas, il faut justement bien fermer et c'est tout. Et puis, je ne sais pas si ça va bien rentrer. Une question. Oui. Si on laisse reposer la pâte de piment, faut-il la conserver au frigo ou à température? Oui, ça je vais aussi vous okay. dire plus tard. Voyez, le mien, c'était un peu trop grand, donc ça ne rentre pas. Mais ce que je vous ai envoyé, on vous a envoyé, je pense que ça va facilement rentrer dedans. So what we did is we covered the cabbages with the paste that we prepared and we folded up and made a nice wrap and we put it in the container, which is going to be locked. Because you don't want to have the smell of this lovely kimchi in your fridge at all times. So we are going to keep it there. Donc, pour vous, ça marche tout dans un bocal? Moi, ça marche pas. C'est full. Ça marche pas. Ah, ok. Regarde. Ouais. C'est demi. Ah, ok. Well, actually, you can choose a container that you like, but make sure that it is locked and it's
keeps the smell and the, everything in there. And actually, we realized that our container is not big enough. Et puis, encore, je voulais vous montrer, c'est que maintenant, comme on dit que c'est déjà tout bien mélangé et bien étalé, sauce et tout, la pâte et tout ça, on met déjà dedans. Moi, je suis prêt pour terminer. Pour, je vais, voilà. Et maintenant, vous voyez ici, il y a encore un peu de sauce à gauche et à droite hein, que j'ai travaillé. Je vais garder ça encore un peu plus tard. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une feuille qui est complètement détachée. Ça, c'est très bien pour couvrir. Et alors, les restes, je vais un peu mélanger. On peut mettre le sauce parce que c'est dommage pour jeter. Et puis, vous pouvez couper hein, parce que c'est aujourd'hui l'entrée, c'est pas si grande. Et puis, tu peux encore m'aider? Oui. Oh, c'est comme ça. Oui, voilà. Merci. Voilà. Et puis ça, je vais fermer au sud. Actually, Madame Chi has just used the one leaf that we asked at the beginning to keep aside. What she did was, of course, we don't want to waste any of the paste that is in our container. She just wiped it off, wiped the container with the leaf that we left aside, and we didn't leave any residue. So that leaf goes on the container as if it's the lid of the container. So you just put it on top of the cabbage. And et puis, bon, c'est pas très propre pour bien fermer. Je vais un peu ranger. So before we close the lid of the container, we're cleaning. Voilà, j'ai un peu proprement essuyé. Et puis, il faut, avant de fermer, il faut bien appuyer pour que l'air, le pot, mm-hmm. poche d'air dedans entre des feuilles, et etc. Ça, c'est mieux qu'on laisse sortir. Donc, j'ai bien poussé et après, je vais bien fermer. So, before you close the lid, and what you need to do is press the kimchi down to make sure that you got all the air out. We don't need too much air in the container. So if you just press it as much as you can before closing the lid, that would be great. And of course, actually, we're almost finished, no? Oui, c'est en fait fini après. Oui, voilà. Mais comme la question tout à l'heure, la question, c'est que alors comment on va garder? Mm-hmm. C'est que en fait, plus tard, on va vous montrer comment on mange ça. Parce mm-hmm. que dès le premier jour, dès le maintenant, en Corée, c'est une fête aujourd'hui parce que vous imaginez ces centaines de choux mm-hmm. qu'on a travaillé, donc on va manger avec un morceau de viande. Ça, je vais vous montrer. Mais comme si les gens qui aiment bien le goût frais, le mm-hmm. goût un peu fort, etc., vous pouvez déjà manger mm-hmm. comme salade ou comme vous voulez. Mais en général, pour laisser commencer à fermenter, on laisse comme ça comme température ambiante, comme mm-hmm. ça. Et maintenant, 10 degrés, 20 degrés, c'est maximum un jour, je laisse dehors. Okay. Oui? Après, on peut mettre tout dans le frigo. Okay. Actually, you can eat it like that right now if you like the fresh taste. But ideally and traditionally, we leave this in the room temperature for one day at least, and then we put it in the fridge. And actually, that replies one of the questions that was asked before. So first, at least for one day, out in the room temperature after we prepared it, and then to keep it for a longer oui. time, we're going to put it in the fridge. Oui. Et pendant l'été, quand il fait très chaud, souvent maintenant en Belgique aussi, c'est très chaud. Et je ne vais pas conseiller de laisser pendant une journée parce que ça va être très vite de fermenter et commencer. Donc, ce cas-là, alors, c'est demi-journée, on laisse dehors et après le frigo, dans le frigo. Et comme ça va moins accélérer la fermentation.
Madame Che underlines the fact that you shouldn't be leaving it for a long time if the weather is too warm. Sometimes even in Belgium, the weather gets warm during winter, summer, sorry. Since we're in winter, we're not supposed to be worried about that. But if it's too warm, half a day would be good. And then immediately after, you put it in the fridge. La question, je vois, est combien de temps que je peux laisser until ça? How long in the fridge? Dans le frigo, on peut garder ça combien de temps? En Corée, ça, on pourrait trouver le kimchi depuis 3 ans. Ah, ok. On pourrait. Mais, bien sûr, c'est avec grande quantité, qu'ils sont tous ensemble, avec une température constante, pas à goût, comme ça. Et aussi, je ne vais pas dire un spécial technique, mais quand même, ce n'est pas notre cas. Il n'y a pas de fin, ça. Expiry date. Non, 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 ça ne va pas. Non, entre-temps, on va un peu ouvrir un pouvoir, hein, de check, faire un check. Mais si, par exemple, je laisse comme ça, tel quel, ici, et 2 jours après que je viens, et je vois déjà le jus de kimchi va arriver presque la moitié. Et après, vous voyez très, très bien le petit, petit, petit bulle qui sort, qui est dedans. Et ça veut dire que c'est déjà bien commencé la fermentation. Okay. Voilà. The question was, until how long in the fridge we can keep this? Actually, Madame Che just said that since in Korea they make it in big quantities, you can't even find the same kimchi in 3 years. Par exemple. Hein? Yeah, but I'm sure it's going to be so tasty that you won't even keep it for 1 month or 2 months. Ouais. So, quand vous prenez un morceau de kimchi, et si c'est trop acide ou c'est moins croquant ou c'est déjà un peu trop mou, c'est pas agréable, alors la fermentation est terminée ou c'est déjà un peu trop passé et il y a des raisons, mais alors à ce moment-là, on fait un nouveau kimchi ou, ou on fait autrement. Par exemple, on va sauter avec du riz, on va faire un autre plat avec kimchi, mais je ne peux pas donner une réponse combien de temps que je peux garder. C'est selon votre goût. Actually, there is no real expiry date for this, but you can already see if it kind of goes bad because you can see that there are bubbles halfway. The juice will be there, and you will see start seeing bubbles. It means that fermentation is going well, but obviously after a very long time, you feel like you don't. It doesn't look good. You can actually use it to make a dish, not as a side dish. You si vous voyez sur ici dans le kimchi. Quand vous voyez, il y a quelque chose de champignon ou il y a quelque chose que je voyais un peu blanc comme, surtout le blanc quand vous voyez que ça allait est un peu bizarre. Ça, vous prenez ce parti enlevé, vous pouvez continuer à manger. Mais c'est donc, en fait, le kimchi, on a fait, il est vivant. Donc, on ne sait pas comment ça va changer. Ouais. Well, since this is a fermentation process, as Madame Che said, it's like a living organism continues. So if you have kind of at the very top those white mold, you can actually get rid of that part and continue eating the rest underneath. En fait, il y a aussi des questions. I heard that kimchi could actually explode in your fridge due to the fermentation. Absolument, absolument. Ah, okay. Si c'est pendant la fermentation qu'on n'a pas un peu ouvrir un pouvoir, ou si c'est vraiment fermé, oui, ça va exploser. Mais ce n'est pas comme une bombe, mais il faut voir de temps en temps comment ça tourne. Et de temps en temps, oui, kimchi, est, pour nous, c'est un plat très important. De temps en temps, les mamans en Corée, « Oh, ma fille habite loin et je vais envoyer un morceau de kimchi, etc. » Avec le problème de corona ou les problèmes. Et j'ai déjà entendu qu'à l'aéroport aux douanes, certaines boîtes étaient bombées, que c'était une histoire très difficile après. Oui, ça j'ai entendu. Oui, oui, c'est en fait juste, oui. Actually, there was a question asking, saying, I heard that kimchi could explode in your fridge due to the fermentation. Is it a myth? And Madame Che explained that it's actually not a myth. And personally, I had that experience because I bought it in a plastic bag. And since I forgot about it, I came and it was really like, because of the fermentation, it was big. It can happen. And she was explaining that due to Corona, the parents couldn't send it and at the airport, there had been some containers which exploded. Well, actually, this is how it looks
The kimchi that we made. But Ouais. don't we like to see the result of our participants? Ouais. Ici, c'est un cours, il y a une Ah, ok. participe. Il y a un cours We des are very questions. happy to receive your Tout en questions. sortie, tous les morceaux. Oui. Et donc, ça, c'est une façon très traditionnelle. Parce qu'on garde la forme, on peut rouler, on peut faire un coup manipulé plus tard. Donc, on fait beaucoup pour garder longtemps aussi. Mais quand vous voulez manger très vite et c'est facile de couper et portionner et servir, bien sûr, évidemment, vous pouvez aussi cette manière. Et donc, j'ai coupé le chou, hein, quelque chose comme ça, 2-3 cm ou 3-4, c'est comme vous voulez, un morceau. J'ai déjà coupé. Et puis, c'est la même façon que j'ai fait. Par exemple, celui-ci, c'est déjà fait. Je vais justement. Évidemment, je vais laisser ici. C'était déjà lavé. Justement, j'ai laissé dans l'eau. Vous voyez, et il est prêt aussi pour tout de suite commencer. Vous voyez déjà? Et donc, par exemple, cette façon, après, on va laisser demi-heure ou même plus un peu dégorger. Et puis, je vais vite faire justement pour montrer. Et puis, les restes avec les pâtes et on mélange et on met dans le bocal, on passe dans le bocal ou des jarres et voilà, c'est facile pour servir et ça aussi c'est très vite fait et c'est aussi facile et simple et en plus le mokso, le sens de la longueur, oui, qu'on a coupé et ça prend un peu plus de temps pour la saumure tandis que cette façon, c'est tout petit, c'est pas si grande et c'est 1 heure, maximum 12 heures, quelque chose, c'est déjà prêt pour kimchi. Il y a une question. Oui? il a entendu qu'il y a des frigos spéciaux pour le Absolument. kimchi en Corée. Oui. C'est vrai? Chez nous, kimchi, comme je vous ai expliqué, c'est très très important. C'est plus important que vous imaginez kimchi. On a presque chaque famille, je suis assez sûre qu'on a le kimchi spécial uniquement pour kimchi. Oui. Et donc, c'est à peu près le même concept, c'est comme frigo, mais on ajuste quel type de kimchi qui est dedans, la température, et pour la vitesse de la fermentation. Tout, on peut ajuster avec le bouton et comme ça, on peut garder le kimchi. Oui, ça existe. One Oui. of our Pace Life audience asked, I heard that in Korea they have special fridges for the kimchi, and Madame Che was explaining, yes, we actually have two. Almost in every family they have one. And actually, you can put different types of kimchis and you can adjust the temperature according to the kimchi that you put. So, yes, they do have a special fridge for the kimchi. Et quand, par exemple, aussi c'est une histoire marrante, et chez nous, à l'époque, quand il n'y avait pas de frigo, c'était pas encore, la façon traditionnelle pour garder, pour conserver le kimchi, à l'époque, vous pouvez taper sur Google, c'est assez souvent les premières images pour la Corée, c'est toujours très très grand bol, comme les jarres, des jarres. Et c'est là, on mettait le kimchi tout dedans. Après, on a enterré cette jarre, oui, et presque plus que 2 tiers. Et comme ça, si c'est enterré dans le sol, la température va toujours garder. Et en hiver, il fait très froid en Corée, très très froid, et les kimchi pour survivre. Et cette façon qu'on a fait. Le moment qu'on a maintenant en Corée, on a très très gros appartements pour vivre, 25e étage, 30, 50e étage, on habite, pas comme la Belgique. Quand on a commencé de construire en Corée les bâtiments, les premières questions pour les Coréens, c'est dans les années 80, dans les années 90. Oh, allez, si on vit comme ça, c'est tellement un grand appartement pareil, où est-ce qu'on va mettre notre jarre pour le kimchi? C'était la première idée. On avait paniqué, ce n'était pas très populaire tout au début. Tandis que maintenant, ça coûte très cher pour acheter un appartement en Corée. Et c'était comme ça. Donc, vous voyez, c'est l'histoire qu'on derrière pour acheter pour kimchi. Actually, Madame Che was trying to explain why we ended up in Korea with these special fridges. Because traditionally, the kimchi, when you make it in big quantities, they put it in
huge jars and you put it outside, and during winter it's very, very cold in Korea, so the kimchi is protected for a long time. But you know, with the modern times, people started living in big apartment buildings, where, you know, 25-30 floor apartment buildings, and that was the first problem that struck the Korean people, like, where am I going to keep my kimchi? So that was the solution. At the beginning, they were not very popular, obviously, because of the price. But nowadays, they are very popular. Almost everybody has it in their houses or apartments. Ici, vous mettez le bocal et vous prenez le kimchi en morceaux. Après, vous pouvez remettre. Mais comme tant que le kimchi est déjà touché un peu partout, c'est mieux de manger, consommer tout de suite. Mais aujourd'hui, j'ai fait aujourd'hui spécialement pour vous montrer, parce que c'est mieux de garder le bocal transparent pour montrer. Et donc, j'ai fait. Donc, je vais justement couper et je vais goûter comment on mange ça. Oui. Et donc... Avant ça, il y a une question, c'est, on peut utiliser ça, peut-on sortir tous les morceaux pour en découper une partie ou remettre dans le bocal, comment faire une manger juste une partie? Oui, c'est possible, mais alors si je mets dedans, après encore sortir, encore remettre, alors je vais déjà penser que, avant de mettre dedans, je vais déjà tout couper pour manger tout de suite, alors je vais remettre. Ça aussi, c'est possible. Mm-hmm. Madame Chi is going to show you. Normally, this has to stay for a couple of days, but we're going to show you how to cut it and how to serve it, actually. Voilà. Moi, je ne prends pas le couvercle, la couverture ici. Et puis, attends. Don't eat the leaf that is at the top, on top, because we're going to use it later on. Just put it aside, take the kimchi out, and cut the piece as much as you like, and when you put it back, don't forget to put that one leaf as a lid before closing your container. Ouais. Donc, maintenant, bon, c'est le kimchi, en fait, c'est terminé déjà. Oui. Mais quand même, je vais vous montrer comment nous, on termine le jour de kimjang, kimchi. Je vais laisser ça ici. Je peux avoir une assiette, je prends une jolie assiette. Now we're going to be showing you how actually they serve the kimchi, obviously in a very nice plate. Voilà. Comme je vous ai dit, kimjang, c'est toujours très grande quantité. Je vais d'abord couper ou viande ou d'abord ici. Qu'est-ce que vous voulez? Donc. Je laisse ici. Donc. Normalement, c'est encore plus joli. Voilà. Et puis, je vais justement amener. Oui. Est-ce que je peux montrer ça? Oui, deux bien secondes. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Peut-être comme ça? Oui. Voilà. C'est le résultat. Ça, j'ai fait aussi à la maison. Ici, pas à la maison. C'est le. Une partie de, c'est... Big chunk of meat. Well, traditionally Koreans like to serve kimchi with meat. Oui. They like eating meat, so. Très très important. Le jour qu'on fait le kimchi traditionnel en Corée, c'est le fait. Les enfants attendent le moment que maman est terminée, parce que on mange toujours un morceau de viande et souvent c'est de porc. Oui, mais elle ne va pas manger, mais moi je vais manger. Le pork, c'est lard, ouais, qu'on bouille dans l'eau avec un peu de soja, sauce soja, avec des poireaux et de l'ail, etc. Pour, comment on dit, le tuer, le mauvais, de l'odeur de viande. Et puis, ici, je ne vais pas manger la peau. Et je coupe well since he's
cutting the meat into pieces, let me briefly explain what she was trying to tell you. Traditionally in Korea, when the families get together to make the kimchi, it's a very special day, not because of the kimchi only, but also because of this special recipe for meat, because the children are very happy, because at the end, when the kimchi is made, they always eat this type of meat. Actually, it's pork. I'm kind of vegetarian, so I don't really eat red meat. I won't be able to taste it, but Madame Che will do it for you guys with pleasure. So voilà. She's showing how they serve the meat and the kimchi together. Et puis, donc, aujourd'hui, vous avez déjà reçu, on a envoyé en fait un très bon kit, parce que ce n'est pas seulement on mange kimchi, toujours kimchi avec un bon plat. Ça, c'est quelque chose d'autre idée. Donc, je vous ai envoyé celui-ci. Ça, c'est du riz. Donc, prenez ça demain. Aujourd'hui, c'est déjà, il est 7h15, donc ça n'ira pas. Prenez du riz, achetez un morceau, un bon morceau comme moi, de porc ou bien comme un steak ou de ça. Et puis, viande et kimchi, ce que vous avez fait, ensemble vous goûtez et c'est ça que nous on mange, une bonne façon qu'on mange kimchi en Corée. Well, as we said at the very beginning, kimchi is not a dish per se. It's kind of a side dish and you can eat it with anything. And traditionally, they like to eat it, in Koreans like to eat it with meat or with rice. And our participants, Zoom participants, are very lucky because they have received this package of rice, which is already cooked. They just need to put it in the microwave to warm it up, I guess. So tomorrow, because it's already late a little bit to eat dinner, I don't know, maybe now, they can eat their kimchi with their rice. Je vais justement... Je peux avoir un couteau en bas ici? C'est ici. Voilà. Normalement, comme je vous ai tout à l'heure montré, comme ça, et après on mélange de tout, les dernières parties, les dernières sauces qui restent mélangées, après on prenait le jour. Mais, parce que c'est un peu dommage de casser déjà ce qui est joli. Mais bon, pour vous montrer, je vais faire. Voilà. Normalement, je prends l'autre couteau, mais aujourd'hui, voilà. Sont comme ça que nous mangeons. Je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Merci. Voilà. Et puis, donc, ça, je vais encore vous expliquer comment. Et puis, ton plat. Et puis, dans le kit, on vous a envoyé, il y a encore une petite sachet de kimchi. Vous avez déjà bien reçu. Je pense qu'il y a une personne qui n'a pas... Je peux avoir le sac de kimchi là-bas, juste à côté. Voilà. Et celui-ci, ça aussi, on vous a envoyé ensemble. Et pourquoi? C'est parce que c'est en général, il est déjà fermenté quelques semaines. Donc... Vous prenez ça aussi pour comparer comment votre kimchi va changer. Comme ça, kimchi, ce n'est pas une simplement recette. Voilà, c'est salade, on fait. Non, le goût, premier jour, deuxième goût, jour. Dans une semaine, dans un mois, c'est complètement différent et complètement différent texture, etc. Donc, ça aussi, c'était une idée vraiment à l'eau comme ça. Vous goûtez tout le kimchi tout au début. Je ne vais pas dire jusqu'à la fin, mais c'est quand même, vous pouvez tout goûter. Our zoo participants are very lucky because they already received a kimchi in a package. Why? Because we would like them to taste the kimchi tonight as well. We already prepared this, actually traditionally needs to stay, so they won't be eating the kimchi that they themselves prepared, but they can just taste the kimchi that we have sent them. And maybe they would eat it with the meat or with rice or maybe like me, a little bit of tofu. Voilà. So
Et comme elle préfère pas manger la viande, c'est pas grave, j'ai préparé donc le kimchi, c'est déjà bien fermenté ça. Celui-ci, un morceau de tofu, par exemple, ça, elle va goûter. Et moi, je vais manger le kimchi très frais. Mais Justement, et ça, c'est ici, c'est marqué, oui, c'est plus, il n'y a pas de translate, il n'y a pas de traduction. Si vous prenez un tout petit, pas ouvrir complètement, hein, un peu, et après vous mettez au micro-ondes. Ici c'est marqué 3 minutes. Vous tournez. Oui, voilà. Comme ça, le riz va être si chaud, comme celui-ci. On vient de faire ça, et vous mangez du riz et le kimchi que j'avais fait et le morceau, un morceau de viande ou tofu ou quelque chose ensemble. Et comme ça, vous pouvez découvrir un nouveau saveur de Corée. You can actually prepare the rice. Just open the lid a little bit. Don't take the lid totally, and put it in the microwave for about 3 minutes, and then your rice is going to be ready, and you can taste it with your kimchi. Before we taste our kimchi, I really, but really would like to see the result of our participants. Can you guys show us the kimchi that Kimchi. you prepared? We want to take a photo of you. Wow, superb! Look at those. Well done, guys! Wonderful, wonderful! Super. C'est génial, n'est-ce pas? Wow! J'espère que ça va bien vous plaire demain et vous prenez aussi comme nous et on mange, hein? Simplement manger kimchi, c'est bon, mais avec quelque chose, hein, c'est aussi très bon. Ça, avec du riz. Hein. Voilà, c'est bien complet. Et j'espère que c'était une très, très bonne leçon. C'était une très bonne session pour vous. Il y a des questions, vous pouvez toujours envoyer, hein, envoyer email ou laisser un cours à moi ou à elle ou à KCC. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez toujours aussi, oh, le kimchi était magnifique, ou le kimchi n'était pas tout à fait. Vous pouvez toujours laisser un feedback. Don't forget to give us your feedback about how the kimchi tastes, how you liked it, and maybe your experience about this workshop as well. We actually had so much fun making kimchi with our Zoom participants and actually the Face Live audience as well, who participated with their questions and lovely comments. And oh, thank you all. Our Zoom participants are amazing. They have been sending lovely messages saying thank you. That was an amazing experience. And actually, they were so lucky to receive the Ah, kit. What is it? on a oublié. Ah, c'est très très important. Attendez, hein, je viens. I'm shocked. I don't know. She has a surprise, maybe. We don't know. Let's see. Ça. Ça. C'est quoi ça? Presque oublié. Ah, ok, the other types of Presque oublié. kimchi. Because Madame Che was telling me before we started the online workshop that there are actually more than 200. 200 types of kimchi in Korea, depending on which geographical region you are or which season. So actually, the variety of kimchi is numerous. It's more than 200, maybe even more. So we are trying to show you a few types, a few Voilà. different types. So it's not only cabbage that we make the kimchi out Ce sont des kimchi qu'on peut déjà trouver en Belgique. Vous of. pouvez trouver, comme par exemple celui-ci, c'est un autre type de kimchi. Vous voyez? Et c'est le kimchi que j'ai fait il y a 3, 4 semaines. C'est un peu plus que 4 semaines. Vous voyez? C'est déjà très différent. Oui. Et ça, c'est le kimchi, la même façon qu'on a fait. Et c'est le kimchi avec la soupe, je vais dire, plutôt froide. Et vous voyez? Et c'est pas piquant. C'est très bien pour les enfants, par exemple. Ça s'appelle baek kimchi. C'est le kimchi blanc. Et puis, ça, c'est une sorte de radis. C'est la moitié, la taille, hein, c'est comme ça. Il est à peu près 12-15 cm. C'est le maximum qu'il va grandir. Et ceci aussi, c'est le kimchi. Et puis, le dernier que je voulais vous montrer, ça a l'air un peu spécial. C'est yolmu kimchi. C'est quand on achète le radis long, c'est la partie, la tête, c'est là,
qu'on fait aussi kimchi. Malheureusement, c'est un vrai légume. Ce légume, en Belgique, on coupe, on jette. Mais en fait, c'est très bon goût aussi. Oui. Gaspillage. Bon, c'est nous sommes, hein, de la Corée, c'est le kimchi, le pays de kimchi. Donc en fait, on fait de tout, de kimchi. Et ça, vous voyez ici, c'est un peu le reste. Hein. C'est seulement ça, avec ça qu'on fait le kimchi aussi. Donc, je voulais justement encore montrer la différente sorte de kimchi en Belgique. D'abord, essayez le kimchi, ce que vous avez fait. Et après, challenge. On va essayer aussi goûter petit à petit à la maison avec votre plat aussi. So, these are the different types of kimchi that you can actually find in Belgium as well. Obviously, as we said before, there are more than 200 different types. Maybe you might want to try it when you go to Korea, why not? So, this was the event of tonight. We made kimchi together with our Zoom participants and also the FaceLive audience. We would like to thank you all very much for Oui. making this possible. It was so much fun for us. Ah. We really enjoyed it very much. C'était très amusant. Thank you very, very much, our Zoom participants. You were amazing. Let us see your hands before we leave. Thank Bye you very, bye. very much. That was great. Merci. Great Bon experience. appétit. Nous, on va manger. We're Bon going to try appétit. this now, but before we leave, just make sure that you keep an eye on the Facebook profile of Korean Culture Center in Brussels because they are organizing wonderful online workshops for cooking, for drawing, and for learning Korean as well. Just try to make sure that you are subscribed to their YouTube or Instagram page or Facebook page as well. Before we leave, I heard something, or I've seen in the Korean dramas that, you know, in the European or American style, when we are taking a photo, we say cheese. But in Korea, I know that they say kimchi. So before we leave, should we do that? Thank you all very much. Est-ce que sinon tu fais est-ce que I'm watching c'était too much Korean drama. moi j'étais fixée de fait quand j'étais petite et pour nous c'est kimchi on attend les enfants et fait ça c'est un peu c'était obligé donc Tu sais, Mina. moi je vous laisse le faire voilà OK. voilà So, we thank you all very much for participating and see you next time with another lovely event. Kimchi! bye Bye! bye 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 bye, everyone!